Alors, en tout cas, la banger, la course, hein, c'est trop trop bien. Oh. Allez, let's go, départ. J'espère que tout va bien se passer sur le jeu. Merde. Oh, c'est moi. Pardon. Mes excuses. Je me suis pris sur ACC. Pardon. Je me suis dit, si je mets la seconde, ça va dégager le pit limiter. Pas du tout. Putain, on a eu chaud. On a eu chaud, mais on est pas mal. Oh putain, il a bloqué l'arrière sévère. Dites-vous que c'est le bordel alors qu'il n'y a pas encore les GTE sur notre route. Hein. Qu'est-ce que ça va être là dans franchement 5-10 minutes là? Ça va être la merde. 18 GTE. Hein. Enfin, il n'y a pas de soft donc on peut faire que les médiums. Donc ouais, on changera pas les pneus, je pense. Je pense qu'on changera pas les pneus. On commence le trafic, ça y est? Putain. Moins de 10 minutes de course, on est déjà dans le trafic. Qu'est-ce que ça va être après, hein? Au devant, ça s'est resserré légèrement. Avec le trafic, ça s'est resserré, mais très très légèrement. Hein. Oh la vache. C'est la P2, hein. Il y a la P2. La P1 est loin devant, mais alors là... Eh ben voilà. Non, moi, on est P5. Alors, il y a un retardataire, mais il y a la P2 devant, quand même. Ok, faut anticiper, il y a beaucoup de GT, là. C'est l'hypercar qui laisse passer. Oh non, je suis mort. Ah, j'ai complètement bloqué. Ah, en fait, elle m'a fait trop peur la GTE. Ça va. Ah, elle m'a fait trop peur. En fait, comme elle a refermé la porte sur le petit droite là. Ouais, j'ai pris les freins et j'ai bloqué parce que j'avais de l'angle dans le volant. Une fois que t'as bloqué. Pour enlever le blocage, et rip, bon, on n'a pas tapé, c'est le plus important. Alors, en tout cas, la banger la course, hein, c'est trop trop bien. Oh. What the fuck. Mais pardon. Mais pardon, il y a une voiture sans flanc. Oh la surprise au sorti du virage. Oh. Vénère le coup de raquette. Hop, stratégie camouflée pour laisser passer mon coéquipier. Bon, ça joue le podium en tout cas du coup. Oh, putain, je suis sur le cul quand même, putain. Oh, il a craqué. Il a craqué complet. Alors, je peux te dire là, même en vrai, 92, 89. Ouais, on les change pas, hein. On a quasiment fait, on a fait 25 minutes de course. Et con, quel con. Mais putain. T'as pas un autre endroit pour te garer, mon pote, que vraiment sur la zone de freinage? Ah oui, il y en a un qui est parti en spin derrière, bah on se demande pourquoi, tiens. Il y a peut-être un lien. Et cette phrase, pas grand monde peut la dire, je pense, lui. Donc profite.
Mais il est complètement con le mec en féfé là. Qu'il soit plus rapide que moi, j'en ai rien à foutre, mais t'attaques pas de cette manière là alors que du coup j'éclate la P2 quoi. Ah désolé à la Porsche, on l'a rien demandé mais. Mais j'ai la P11 là qui m'attaque de manière random. Débile mec, franchement débile ton move. M'attaquer je dis pas mais à cet endroit là, de cette manière là, c'est débile. Oh, il fait une Hamilton devant. J'ai pas vu la diff. J'ai pas vu la diff. Putain, il est revenu derrière avec toutes les conneries là. Faut que je reroule un peu là mais... Il manque de chance sur beaucoup de trucs là ces derniers tours. Sur le trafic, le mec qui m'attaque... On est pas bien... Bien desservi là. Je vais rouler plus vite qu'en qualif. Il est vraiment dégueu le mec en face hein. La féfé là. Il est 11ème, il gère super mal le trafic hein. Oh bah tiens, le virage il était pas de ce côté là mon pote. Oh le coup de raquette il était violent. Bon, il est revenu avec la Toyota derrière. Va falloir se battre pour ce podium hein. Bon, je boxe à la fin du tour là. Il a boxe derrière moi. Ok. Il me reste 78 au plus bas. Je savais pas qu'elle était si tôt la ligne, putain. C'est surprenant. C'est-y par. Tu es prêt, mon pote? Non? Je sais pas. J'avoue que j'ai pas suivi de fou. En fait, y en a un qui a fait de la merde, c'est mon collègue Toyota. Alors devant, les trois premiers là, ça n'a rien changé en termes d'écart et tout, on est 32-11, c'est à peu près ce qu'il y avait. Et l'autre par contre, la Toyota, 16 secondes il a perdu. Il a changé les pneus lui. A voir si maintenant ça va vraiment plus vite avec des pneus. Déjà là, faut le temps qu'il est chaud, alors je suis pas sûr que ça soit worse. A voir s'il va beaucoup plus vite. J'ai pas réussi à freiner. J'ai pas réussi à freiner. Ça va. On va perdre beaucoup de temps mais... Je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à freiner. Je l'ai senti dès l'entrée dans la Combini Rally. Impossible. Oh non. J'ai évité le pire. Quand tu bloques souvent c'est la merde là franchement. Content de sortir du virage, ça va être dur de le tenir derrière, je fais que de la merde. Je pense même pas que c'est les pneus le problème, je pense que c'est moi, littéralement. 25 minutes à tenir, 8 secondes. Ah mais là faut que j'arrive à rouler comme ça tous les tours là. L'eau 32 ça serait très bien. Là j'ai repris un peu de temps du coup, 7.4 c'est cool. Bon, j'étais agressif mais ça reste propre, mais bon j'étais agressif hein. Ça dépend tellement où tu te manges le trafic, c'est un truc de fou. Si vraiment t'as zéro luck sur le trafic et le mec derrière il en a tout le temps. Mais c'est abusé comment tu peux perdre une seconde, deux secondes au tour. C'est un truc de fou. Regardez là il va c'est peut-être se les manger dans la ligne droite, il va être trop bien alors que moi j'ai galéré à Aqua Minerali et Piratella, laisse tomber. J'ai pas perdu quasiment sur ce tour. 12 minutes de course.
Il me reste 18 minutes de fuel, on est good. Pour la P2 en GT, ça fait peur hein. Le mec il est P2 là hein. Il est pas là à perdre sa P2. Il est grave revenu. Ça va être la merde. Allez, tour qualif là. 9 minutes de tour qualif. Il y a du monde là. Et lui, il va les avoir dans la ligne droite. Ça commence à me faire chier hein, le trafic là. Je suis obligé de lâcher des dives de zinzin, moi. L'autre, tu vas être là. Clignotant à gauche. Et on y va. Ça rend fou. Mais le cours, la course est stylée, mais j'ai tellement pas de luck là. Ah, ça rend fou. Tu perds une seconde quand lui, il perd rien. Je vais me laisser passer. Mais il en a rien à foutre, je crois. Oh, je l'ai suivi, putain, mais ouais. Mais... Oh, j'ai essayé de perdre le moins de temps possible, mais il y a une seconde de paumé. Oh, il est chiant, lui. Faut que notre pote là, il soit gêné aussi, là, parce que. Oh, et là il s'écarte comme par hasard. Ah, y a plus trop de trafic d'ici la fin, là c'est juste pour rouler. Je respecte le... Oh bah là c'est peut-être bien engagé maintenant. C'est peut-être très bien engagé. Je sais pas pourquoi je suis en train de push là. Je me calme. Je suis en train de lâcher mes PB là, comme s'il était encore à une seconde et demie derrière. C'est con ce que je fais. Je peux repasser. Oh ! La P2 à box ? Attendez, attendez ! La P2 à l'arrêt ! La P2 à l'arrêt ! Elle a cru que c'était la fin de la course, je pense. Non, je pense qu'il roule encore, mais je pense qu'il a cru que c'était la fin de la course. Ça va, il est reparti, attends. Oh, il a dû se faire flipper. Il a cru qu'il l'avait fini, à mon avis. Il s'est garé, il est reparti. Ou alors, il a passé le fuel, mais. Il y a un pare-choc là. Oh, il a vraiment cru que c'était fini. Il a fait une allèche, ouais. Grave. Ça va, il s'en est rendu compte vite et il y a des gros gaps. Bon, bah, podium, let's go. Cette fois, il peut vraiment s'arrêter devant. Putain, je suis sûr, il s'est vraiment arrêté un tour trop tôt. Allez, let's go. GG, merci. Merci, merci. Content, ouais.